Et boum! Bonsoir tout le monde! Attends, il y a encore elle dans le champ. Hop! Toujours en début de live, on sort la lampe du champ. Alors, ce soir, du coup, on se retrouve sur du Battlefield 4. Alors, pourquoi pas du Battlefield 5, vous me direz? Bah parce que je l'ai pas. Et puis vous allez me dire, mais alors pourquoi pas du Battlefield 1? Et bah parce que je préfère le 4. Voilà, c'est une bonne raison, je pense. Donc, on se retrouve sur du Battlefield 4. Vous plaignez pas, ça aurait pu être du 3. Hein. Alors, il faut savoir que Battlefield 4, j'y ai joué pendant assez longtemps. J'avais même créé ma propre team sur le jeu. Le GIGN, pour information du coup. Donc, qui vient de GIGN. Sauf que, au lieu d'être le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, il me semble, bah, du coup, c'était le GIGM, c'était le groupe d'intervention des grands malades. Voilà, ça me faisait marrer. C'était la joie. J'ai mon petit niveau quand même. Bon, enfin, ça fait quand même. Je crois que ça fait au moins 3-4 ans que j'ai pas joué. On va voir si ça revient. Normalement, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Alors, à part qu'ils ont modifié apparemment les menus, parce que ça ressemblait pas à ça. Ouais, voilà, j'étais niveau 122. Je sais plus trop ce que ça représente, mais je crois que c'est pas loin du niveau max. Allure. Bah, on va essayer de faire évidemment de la conquête, hein. On va pas partir dans du match à mort. Quoique. Alors, au niveau des serveurs, là, ils sont soit pleins, soit vides. Conquête, opération verrou. Ah, vraiment, opération verrou? 800 tickets. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 100% de vie. Ouais. Bon, on va faire partie rapide. Comme ça. Et on va faire un. Au top du top. Conquête, ruée et anéantissement. Je peux pas juste choisir. Conquête classique? Non, j'ai. Ah si, attends, si, c'était tout en bas, je crois. Conquête. Voilà. Et bien sûr, on s'en prend une grande. Grande conquête. Sinon c'est pas drôle. Alors, j'ai mes petites maps préférées, bien sûr. Hein. Je sais que les dernières qui étaient sorties, j'y jouais un petit peu. Pff, le train de Golmud, vas-y, il n'y a pas de problème. Voilà, alors celle-là, par exemple, je la connais par cœur. Alors, par contre, je me posais la question vis-à-vis de la caméra. Je vais la rapetisser un petit peu. Ah, je rapetisse! Et je vais la mettre ici. Voilà, histoire que ça gêne pas trop, parce qu'en bas, il va y avoir mes... En bas, il y a mon radar, il y a mes munitions, tout ça, tout ça. Bon, on est parti. Oh, putain, ça me rappelle tellement des souvenirs. Je me souviens surtout que personne ne suivait jamais les ordres. Ouais. T'as beau être chef d'escouade ou peu importe, les gens, ils suivent jamais les ordres. Alors, il faut que je me remette dans le bain. Donc on va pas... Oh là là. Oh là là, j'ai... Oh là là, oh là là. Oh, puis j'ai vraiment une sensibilité de... psychopathe. Très bien. Ah ouais. Faut que ça revienne. Faut que ça revienne. Bon, de toute façon, apparemment, c'est fini. Donc, comme ça. Voilà. Donc, fin. Allez, c'est tout pour ce soir. À demain. Et. Oh, c'était rapide. Ah, ce fameux bruit de fin de partie. Ah, je vous l'avais dit. GIGM, c'est marqué. Et j'ai fait 0 kill et 0 mort et 0 tout. Ah oui, voilà, le niveau max, c'est 140, il me semble. Je crois. Peut-être.
Je sais plus, mais il me semble que le niveau max c'est 140. Et du coup, je suis niveau 122, j'ai dit tout à l'heure. Allez, next! Par contre, il va vraiment falloir que je m'habitue. Parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Là, mon bonhomme, j'avais vraiment l'impression de contrôler une savonnette déjà. Parce qu'il allait trop vite. Les armes aussi, il faut que je me réhabitue aux armes, au recul, tout ça. Ah bon, vas-y. Alors, je pense que ça va être du train de Gollmood à fond sur ce serveur-là. On changera, hein, on mettra d'autres maps. Mais ouais, les reculs des armes, les retombées des différentes armes aussi. Il va falloir qu'on se réhabitue à tout. Ok, je peux mettre prêt du coup. Ok. J'aimerais bien prendre le Little Bird, ça fait. Ah, et bah non. Mais non, mais. Ah, pardon, c'est comme ça! Ah! Bah voilà, déjà je redécouvre des choses. Y a pas de problème. Ah, il me semble qu'en appuyant sur A. Ouais, on peut changer de place dans l'hélicoptère. Et j'ai pas de quoi réparer. C'est quoi le bouton pour sortir déjà? Je sais plus c'est quoi le bouton pour sortir du véhicule. Ah là là, on est dans la merde. Ah, c'est pas X? Ah si, c'est X! Si, voilà, c'est X. Ah, c'est lui là. Vas-y, viens. Ah. Oui, alors. Oui. Mais du coup, j'aurais dû être plus mobile, plus. Ah, ça. Ah, je. Ça. Ouais. Faut quand même que je me réhabitue un petit peu. Hein. Alors, le tank, si je me souviens bien. Donc, ça, c'est pour tirer. Et là, j'ai un obus spécial, ouais. C'est un obus anti-personnel. Oh bah, il s'est fait éclater l'hélicoptère. Et j'ai pas un bouton. Ah si, j'ai un bouton pour dasher! J'ai un bouton pour dasher aussi. Oh là là! Alors j'ai un bouton aussi pour. Ah, attends, on va tenter des choses. On va tenter des choses. Ce bouton-là, du coup, me permet d'avoir une meilleure visibilité. Oh, toi, je te vois, toi. J'ai vu un pélo partir là-bas, je crois. Ah, un poil trop. Bam. Boum. Ouais. Faut que je me réhabitue, hein. Ça fait longtemps. Ah, mais j'ai pas une vision. Si! Ah voilà! Très bien ça! Bim! Boum! Boum! Alors attends, lui. Ouais, attends, bah il est mort. Tout va bien. On vient d'éclater trois de leurs chars. Moi j'aime bien jouer comme ça parce que du coup rien ne m'échappe. Même les mecs qui sont planqués. Ah. Alors ça c'est typiquement Battlefield, hein. Il n'y a pas de souci. La fameuse technique. Toi, je t'ai vu.
Bon, alors lui, il s'est pas visé par contre. Bam. Bim. Allez, bonne journée. Question d'habitude, hein. Encore une fois. Des fois, je comprends pas comment ils font pour me louper quand même, hein. Ah. Toi, je te vois, toi. Oh, j'ai loupé. Bim. Bim. Eh, viens. Allez, bim. Voilà. On commence à s'en souvenir. Non, mais il se croit où, l'autre, avec ses mines? Ouais, parce que ça c'est génial, parce que du coup on peut voir les mines. Avec ce bonus là, bon, ça nous permet de voir les mines. Et donc de ne pas s'en... Oh! Loupé! Ah oui, alors par contre, des fois ça m'explose dessus. Et je prends aucun dégât. Bah non, c'est bon, je suis full life. Alors par contre, moi j'étais le pro pour éclater les hélicos en vol avec mon tank, hein. Attention, l'objectif alpha est à nous. Oh. Oh, touché. Ah putain, loupé. Ouais, on va se faire encore un petit char. Oh putain, ça me fait plaisir de revenir sur ce jeu. Oh, ça fait longtemps, je suis content. L'objectif Bravo est à nous. Vas-y, vas-y, sors de ta cachette, toi. Ah, toi, je te vois. Allez, bonne journée. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Je me souviens que cette arme, elle est craquée contre les mecs. Ah mais non, mais me pousse pas, abruti. Ah, bon, il s'est fait éclater direct. Allez, on va leur donner un petit coup de main. On va voir si je le touche. Non. L'objectif Foxtrot est sous notre contrôle. Ah. Hélico qui en approche. Un hélico ennemi en approche. Avec un mec qui saute. Ouh. T'as eu de la chance, toi. D'accord. Ah, alors les mecs de Battlefield, c'est toujours un plaisir de les voir. Alors lui, il se fait poursuivre. Là, je vois des mecs qui tirent là. Oh, alors toi, où il est? Je le vois plus. Ah, il est là. J'ai repéré un personnel anti-char hostile, plein est pour vous. Col plus haut. Ah! Je m'en fous. C'est ma spécialité, ça. Laissez-moi vous aider. Ah, putain! Il y a deux hélicos là. Allez, viens là, voilà, fais une manœuvre rectiligne. Ah putain. Putain, il tente, hein.
fait. Ouf, putain, j'ai cru que je l'avais touché. J'étais sûr de l'avoir touché. Oh, ça me fait tellement plaisir de revenir là-dessus. Parce que ça, c'est une des raisons pour lesquelles, bon, j'aime bien Battlefield 1, mais ça n'arrivera jamais à la cheville du 4. C'est les putains de véhicules. Je suis désolé, les véhicules, ils ont rien à voir. La différence, elle est ouf. Est-ce que j'arrive à le toucher au moins? Oh. Oh, bah alors toi, je te vois, toi. Faudrait que je sois un poil plus loin. Reviens qu'il y a un char ennemi à l'est de votre position. Nous venons de prendre le contrôle de l'objectif Foxtrot. Faut que je recule plus. Alors oui, mais tout en faisant attention à ce qu'il y a derrière. Hein. C'est toujours mieux. Voilà, et avec ça, avec ce pouvoir, enfin ce pouvoir... Avec ce truc, ça me permet de faire ça. Genre, lui, je le vois. Hein. Genre, je le vois, là. Je vois qu'il y a... Ah non, c'est une flamme, pardon. J'étais en train de m'énerver contre une flamme, tout va bien. Alors, on y retourne. J'ai vu du coup un véhicule, il y a un char là-bas, tout là-bas au fond. On va voir si je le touche. Et il y a un autre truc qui me tire dessus. Hein. Allez, marche arrière à fond. Ah, je l'ai mangé quand même. Ah, ils sont beaucoup là en face en fait. Wow, ho, ho. Alors non, alors c'est pas les bons boutons du coup. Alors du coup, ouais, parce que j'ai pas pris le chalumeau. Donc on va le réparer comme ça, y a pas de problème. Ah non, il me vole mon char. Non, mon char. Mon char. Ok, et comment je... Voilà, comme ça. Oh, il m'a rendu. Il est trop sympa. J'adore cet homme. Allez, bouffe. Ah, il est mort, mais c'est pas moi. Vejo frajeske vrtushku. Tout à fait. Ah, putain. Ah ouais. Je le vois, ouais. Bim. Allez, char ennemi détruit. Il y a un hélico là-bas. Hein. Oh, il y a un mec qui vient de passer avec une bagnole couverte de C4. Ah non, me pousse pas! Ah, quel bâtard lui! Bim, touché. Aouh. J'ai repéré une mitrailleuse ennemie, pile à l'est de votre position actuelle. Oh là là, mais il y a combien de chars en face? L'objectif Bravo a été perdu.
Ok, tout va bien, je suis pas mort. Oh là là. C'est le bordel, ma petite dame. J'arrive pour les réparations. Hop là. Ah oui, c'est vrai que c'était ça mon emblème en plus. Oh là 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 là. Que de souvenirs, que de souvenirs. Voilà, hop. Je peux, merci. Il est vraiment trop sympa ce mec. Bam! Il y a un soldat hostile à l'est de votre position. Attention, l'objectif Golf a été neutralisé. Ah, il bouge! Ah, c'est une vraie battle de chars comme on les aime. Hein. Je me mets derrière l'autre, comme ça c'est lui qui prend. En fait, on s'est trompé là, on est dans World of Tanks. Non. Toujours pas. Ah. Oh bah. Oh oui. Oh, ce genre d'explosion. Mais ça, ça existe plus, ça, dans Battlefield 1. Ah, je vois, il est où? Ah non, c'est un petit avion de ses morts. Ah. Mais ma vie, la vie du tank, elle se régénère pas toute seule, normalement. Si je dis pas de conneries, c'est... Ouais, c'est ça, il se régénère tout seul. Non, non. Alors ça par contre ça commence à me gonfler un petit peu. Ouais. Alors je peux pas les éclater d'ici. Oh. Hop là, esquive. Petite merde. Ah non, j'ai plus de roquettes. Mais genre, je l'ai loupé. À quel moment? Voilà, faut savoir avoir plusieurs cibles en même temps. Ouais, ouais, je le vois. Et je peux pas le toucher en fait, ils sont trop loin. Faut... Ah! Oh, bah alors là, je l'ai pris vénère. Bah d'ailleurs, il y a quelqu'un là en fait, non? Vas-y, tu crèves maintenant. Voilà. Et je vais essayer de réparer notre précieux petit bébé tank. On va essayer de le réparer. Ok, tout va bien. Oh, alors lui. Toujours garder un œil sur le radar aussi. Hop là. Lui, il est mort. Bon, allez, on va essayer d'avancer un petit peu là. On est trois chars. Ça devrait le faire. Pardon, je passe. Allez, mange tes morts, toi. On va essayer de contourner pareil que l'autre, là.
Allez les gars. Oula. On y va et on y va en force. Faut qu'on arrive à les déloger d'ici. Faudrait qu'on puisse prendre cette position. Voilà, qu'on éclate ceux qui sont là-haut. Ceux qui sont là-haut, ils font chier. Bim! Ah, j'arrive pas à les shooter! Ils font mumuse là-haut. J'arrive pas à les avoir. Faut chier à faire mumuse là-haut. Et en plus, il y a un char là-bas, il me semble que j'ai vu. Il me semble avoir vu un char dans le coin là. Ouais, bah c'est Foxtrot qu'il faut qu'on prenne. Putain, j'arrive pas à les avoir. J'arrive pas à les avoir. Ça c'est les petits campouses là. Les petits campouses, il y en a toujours un ou deux. Ah, j'aimerais bien pouvoir les défoncer. J'ai repéré une mitrailleuse hostile juste au nord de votre position. Juste au nord, oui, bah je le sais qu'ils sont au nord. Par contre, je crois qu'il y en a un. Non, c'est bon, ça devait être un allié. Parce que j'ai vu un mec sauter d'un avion, mais ça devait être un allié. Allez, bim! Oh putain, il y a une bagnole qui arrive. Ok, ça c'est pour moi ça. Oh! Ok, c'était bien une voiture piégée en plus. Allez, un petit hélico. Ah, bon, c'est pas grave, il s'est viandé. Tout va bien, il s'est viandé. Oh là là, il y a tellement de choses qui se passent en même temps. C'est incroyable. Oh, toi je t'ai vu, toi là-haut. Voilà, comme ça ils arrêteront de respawn sur le toit. Ce qui commence à faire chier. Là, il y en a encore un. Dame, toi t'es mort. Là il y a des chars. Tiens, toi t'es mort. Toujours se mettre face. Ah, enculé. Tiens. Moi je sais viser, connard. J'ai pas besoin d'assistance. Ah, peut-être en fait. J'aurais peut-être eu besoin d'assistance à la visée sur les derniers. Ah, ils étaient deux chars encore. J'ai l'impression qu'ils ont fait en sorte que les chars, enfin que les véhicules en général respawnent plus rapidement. Il y a des chances. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va aller les aider. On va les aider, on va aller les faire chier. Ah, moi aussi j'ai un skakette. Y'a pas de problème, mon ami. Aïe. En même temps, ils aiment bien qu'on pousse sur le toit. Ça, y a pas de souci. Petit niveau 15. Je pense que, hey, franchement, le jeu il est sorti il y a tellement longtemps, les niveaux ils doivent plus rien dire. Alors, est-ce que je me souviens encore de comment on conduit cette merde? Ok. Ouais. Oh, ça a l'air d'aller. Donc là, j'ai. Ah, j'ai celui qui fait très mal en plus, d'accord. J'ai celui qui fait mal mais qui se recharge. Ouais, d'accord. Ok.
Ok, alors on va essayer d'aller se farcir l'autre qui est en haut là. Ça doit être lui qui m'a tiré dessus, je pense. On va aller se le faire. C'est parti, mesdames et messieurs. C'était un avion. Yes. C'est pas grave, j'en ai encore. C'est pas grave, j'en ai encore. Oh lolo. Oh lolo. Oh, il faut vraiment que je me réhabitue. Hein. Bon, il était où l'hélicoptère là sur mon radar? Là. Alors la technique. Bon, lui, il est mort. La technique c'est voilà de le viser, de ne pas tirer, comme ça il envoie ses leurres, de prendre de la hauteur pour l'avoir dans son visu. Et de lui balancer les deux dans la gueule. Voilà, par contre, faut pas rester en l'air trop longtemps. Sinon, vous êtes une putain de cible facile. Hop là! Et hop là! Et hop là! Et ah waouh! Oui, bon, ça va, il y avait une anti-air, je pouvais pas le deviner non plus. Par contre, ce qui me fait marrer, c'est qu'ils se mettent toujours au même endroit depuis des années. Il y a toujours la même putain d'anti-air, toujours au même putain d'endroit. Que de souvenirs. C'est-à-dire, du coup, aller... Wow. Wow, ok, on va se calmer. On va se calmer, et j'ai pas les bonnes touches. J'ai pas du tout les bonnes touches, en fait, j'ai l'impression. Toi, je te vois, toi. Contre 1. Ah putain, il faut vraiment que je me réhabitue. Je sais plus jouer. Je suis une grosse merde là, je sais plus jouer. C'est incroyable. Et bah... Ah, est-ce qu'on tente... Non, trop tard, on a pris l'avion. On m'a volé mon avion. Tiens toi là, viens là. Non, il est trop loin. Où est-ce qu'il était planqué l'entière? De mémoire, il était au milieu là. Oh bah ça c'est dommage ça. Allez, hop là. Oh. Ok, alors problème numéro 1 quand on tire avec un hélico, c'est qu'on a tendance à bouger dans tous les sens, mais on oublie qu'il y a le sol en dessous. C'est triste hein. Ah, l'avion, ça fait longtemps aussi. On va voir si je maîtrise encore. On va voir si je maîtrise. Au nord de votre position, avion ennemi. Wow. Ah oui, je me souviens. Oh putain, il y a que des souvenirs. Là, je vais toute la vidéo, franchement, tout le stream, je vais dire je me souviens. Ah oui, c'est vrai. Oh mais tant de souvenirs. Voilà. On peut mourir après l'écran de fin. C'est-à-dire que le jeu, il vous dit c'est bon, la partie est finie, mais vous pouvez encore mourir et avoir une mort en plus. Ouais. C'est complètement débile, mais bon. Écoute. Et je suis... Ouais, je suis quand même quatrième, hein. Alors que le premier en face, il fait 24-1. Je pense que dans notre équipe, on est nul. Si je suis quatrième avec, en ayant fait que 11 kills, 6 morts. Voilà. Si je me souviens bien, Ah, je peux pas voir. Mais je crois que j'ai un ratio de 2. Si je dis pas de conneries, j'ai un ratio de 2 que je vais éclater ce soir, vraiment. Genre, je vais vraiment tomber à 1.5. Mais normalement, j'ai un ratio de 2. Donc 2 kills pour une mort. Oui, c'est vrai que des fois, ils s'amusent avec des règles. Genre, pas de mortier, pas de stinger, pas de machin, pas de truc. C'est vrai.
Goldmund. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, je vais...